Bonjour à toutes les gameuses, bonjour à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, comme d'habitude, au calme. Hein. Je vous présente ma dernière vidéo sur Derezendratch, où je vais vous montrer tout simplement une feuille de papier qui, à première vue, n'a rien de fantasmagorique, mais voilà, qui nous cache quelque chose. Donc voilà, nous sommes dans la first room. Où c'est que nous arrivons? Donc il faut prendre cet escalier, celui-là. Hop. Là. Et tout de suite à droite. Regardez le petit morceau de papier là. Regardez-moi ça. Donc tout simplement, en haut à gauche, 935. C'est le groupe. On le connaît. Il y a le logo à côté qui nous fait rappeler. Kay. Test subject. Ça, c'est très important. C'est la clé pour décoder toutes les deux lettres qu'il y a dessous là. La multitude de lettres, à première vue, ça veut rien dire. Mais si, il y en a qui ont réussi à le décrypter. Je mettrai le lien dans la description pour les petits curieux qui veulent tout savoir. C'est là qu'il faudra aller voir. Voilà, donc le message, je vais vous le dire. Il est tout simple, mais beaucoup de mystère derrière. Donc je commence, hein. Le dernier test sujet, le Mexicain, est mort. Mais pendant l'autopsie, j'ai découvert que la clé créait l'armée que nous cherchons. Nous sommes maintenant prêts à capturer les quatre sujets identifiés dans le rapport 44. Le Mexicain, oui, on en a déjà entendu parler, on a déjà vu un tableau dans le théâtre nazi qui nous en parlait un peu. La clé, est-ce la clé d'invocation que nous avons eue sur Shadow of Evil? Je ne sais toujours pas. Les quatre sujets sont-ils nos personnages? Je pense que oui, mais rien me le certifie. Et le rapport 44, par contre, ça, j'en ai jamais entendu parler. Donc, si vous avez des infos, vous pouvez me les dire en commentaire, il n'y a pas de souci, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est ce rapport. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que j'ai plus grand-chose à vous dire, mais vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en vous disant à bientôt, bye! Osez gratiner Takeo, c'est inviter la mort à sa table. La douleur est passagère. Ta mort ne l'est pas.